toi, il faut te lever. Tous les amis vont bientôt arriver. Voilà que commence une autre belle journée dans la maison de Whimsy. Dans la maison de Whimsy. Dans la maison de Whimsy. Apporte ta joie, ta bonne humeur aussi. Et partage-les avec tous les amis. Pour t'accueillir, ils sont tous ici. Dans la maison de Whimsy. Dans la maison de Whimsy. On se parle d'amour, on se dit nos secrets. On a du plaisir, on ne s'ennuie jamais. Entre-temps, c'est toi qu'on attendait. Dans la maison de Whimsy. Dans la maison de Whimsy. Aujourd'hui dans la maison de Whimsy, bébé Mani. Oh, oh! Best, Best, où es-tu? Je sais que t'es là-dedans quelque part. Best! On dirait qu'il y a eu un ouragan dans ta chambre. Oh, c'est pire qu'un ouragan, maman. Je trouve pas ma veste à pois préférée. Mais je vais t'aider à la trouver. Ah. Votre chambre est un vrai fouillis, mademoiselle. Ah, moi, je l'aime bien comme ça. Oui, eh bien, pas moi. Fouillis. Bon. Ah. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? La voilà. C'est celle-là, ma veste préférée. Tu vas beau la trouver pour toi. Mais maman, elle est gâchée. Beau a Je suis désolée, ma puce. Pourquoi tu ne disputes pas? Mais il n'a pas fait exprès. Oui, mais quand moi je brise quelque chose, je me fais disputer. Beau est juste un bébé. Mets ta deuxième chemise préférée, tiens. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, mais je ne sais pas. C'est parfois difficile de comprendre les bébés quand ils parlent. Bon, il va bien falloir mettre ça. Oui, c'est bien, ma chouette. Bon. Maman, est-ce que tu voudrais m'attacher mes lacets? Mais tu sais très bien comment attacher tes lacets. Oh, s'il te plaît, t'attaches bien ceux de Beau. Il ne peut pas le faire lui-même. Les bébés ont besoin qu'on les aide. Mais toi, tu es une grande fille. Bon. Et n'oublie pas de nettoyer ta chambre, hein? Beau n'a jamais rien à nettoyer, lui. Beau ne peut pas le faire lui-même. C'est parce qu'il juste est... juste un bébé. Oui. Je le sais. Ouais. Si on n'est pas un bébé, il faut tout faire soi-même ici. Oh, mange-les pendant qu'elles sont chaudes. Merci, grand-maman. Oh, de rien, ma chouette. Grand-maman? Oui? Est-ce que tu voudrais verser plus de sirop sur ma gaufre? Oh, mais tu sais comment verser du sirop, Whimsy? Oui, mais j'en mets toujours trop. Puis j'aime ça. Comment tu le fais, toi? Eh bien, je regrette, mais... il faut que je donne le déjeuner à Beau. Tu sais comme il a toujours faim quand il se réveille. Oh, ça, je le sais. Il a déjà essayé de manger ma veste préférée. Oh. Pourquoi il ne s'arrange pas tout seul pour déjeuner? Mais il ne sait pas comment. Beau est un petit bébé. Voilà, Beau. Bonjour, bonjour. Alors, tu as fait un beau dodo? Tu ne comprends pas ce qu'il raconte, hein, grand-maman? Non, pas ses mots, mais je comprends ses sentiments. Les amis arrivent. Tu vas aller ouvrir, Whimsy? Bonjour, Whimsy. Allô. Maintenant, ma deuxième veste préférée
dire le bébé loulou? Je suis pas un bébé, j'ai 3 ans. Regarde, loulou a fait tomber ma gaufre sur ma deuxième veste préférée. C'était un accident. Loulou fait toujours des choses comme ça à la maison. Et on la dispute pas parce qu'elle est un bébé. Tu ne l'as pas fait exprès, hein, loulou? C'était un accident. Mais oui, bien sûr. Oh, les bébés. Ils se font jamais disputer. Mais nous, on fait juste renverser une petite bouteille de gouache et kaboum! Va réfléchir dans ta chambre. Les bébés font vraiment la belle vie. Allez-y toujours, très doucement avec les jeunes plantes. Surtout quand elles sont dans des pots neufs, comme ça. Ma plante! Pourquoi tu brises toujours tout? Wimsy, ce n'est pas gentil de parler à ton frère comme ça. C'est pas ma faute. Il fait toujours tout pour me faire fâcher. Wimsy, dis à Beau que tu es désolé. Pourquoi? Il comprend même pas ce que je dis. Et puis en plus, je suis pas désolée. Bon, ça suffit, mademoiselle. Il comprend très bien si on est fâché ou content. Va réfléchir. 5 minutes dans ta chambre. Allez. Incroyable! C'est Beau qui fait tomber la plante et c'est moi qui suis envoyée dans ma chambre. Il n'y a pas à dire, hein? Il vaut mieux être un bébé dans cette maison. Alors, vous allez tous me faire une belle sieste aujourd'hui. Question? Oui. Pourquoi on doit faire des siestes? J'aime bien mieux rester éveillé. Pas moi. La nuit dernière, j'ai rêvé que je volais. Comme maman dans un avion? Non, tout seul. J'ai juste fait un souhait et ça a marché. J'ai volé. J'ai volé au-dessus de toute la ville. Puis j'ai décidé de voler au-dessus de chez Wimsy. On dirait bien que Jonas a fait un rêve à souhait. C'est quoi un rêve à souhait? C'est quand on souhaite quelque chose et que dans notre rêve, cette chose devient vraie. Ça n'arrive pas très souvent, mais quand ça arrive, yahoo! Wow! Quoi d'autre, grand-maman? Quoi d'autre? Eh bien, moi, j'ai fait mon premier rêve à souhait. Il faut que j'y aille. Beau a besoin de moi. Oh non, grand-maman, reste! Je fais juste pleurer. Mais voyons, Wimsy, les bébés ne pleurent pas pour rien. Ils ont besoin de quelque chose. Non, c'est pas juste. Les bébés ont tout le temps qu'ils veulent. Ils ont besoin d'attacher leurs lacets. Quelqu'un le fait pour eux. Ils veulent du sirop sur leur gaufre. Quelqu'un le fait pour eux. Moi, quand j'ai besoin de quelque chose, faut que je m'arrange toute seule. Ben moi, je souhaite être un bébé. Eh bien, on est réveillés. Qu'est-ce que je fais dans le lit de Beau? Alors, on a fait un beau petit dodo. Papa, qu'est-ce qui se passe? Guili-guili. Est-ce qu'on a mouillé sa petite couche? Mais voyons, papa, pour qui tu me prends? Pour un bébé ou quoi? J'ai une couche. Un bonnet. Moi j'aimerais être un bébé. Je suis un enfant et je n'aime pas ça. Moi j'aimerais être un bébé. Parce que les bébés ont tous les droits. Quand mon petit frère prend son dîner et le jette sur le plancher, mes parents disent: faut l'excuser, c'est seulement un bébé. Moi j'aimerais être un bébé.
une belle couche toute propre avant que les autres se réveillent. Hmm? Papa, c'est une erreur. C'est moi, Whimsy. J'ai 5 ans, regarde. Je n'ai plus besoin de couche. Ma couche est mouillée. C'est gênant. Oh là 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 là. Mes amis, tu es un vrai petit moulin à parole aujourd'hui. Je me demande ce que tu essaies de me dire. Tu veux dire que... Je comprends pas ce que je dis. Bientôt, tu vas pouvoir parler comme les grands. Mais je suis grande. Oh. C'est moi. La couche. Non. Mets-moi pas de couche. Non, je suis grande. Oh non. Je pleure comme bébé beau. Non. Et voilà, ma puce. Amuse-toi bien. Bon, eh bien, autant construire quelque chose. Oh, quelqu'un veut m'aider avec mes blocs. Regardez bébé Whimsy. Elle est même pas capable de prendre un bloc. Te moque pas d'elle. Il est juste un bébé. Oh, elle est tellement mignonne. Merci, loulou. T'es pas mal, toi non plus. Elle est peut-être mignonne, mais elle peut pas parler. Mais je peux parler. Qu'est-ce que tu penses que je fais, là, hein? Du saut à la corde? Mais qu'est-ce qu'elle dit? On la comprend même pas. Mais t'entends pas? Je parle très bien. Du... Bloui, 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 de bébé. Oh non. Pour eux aussi, je parle comme un bébé. C'est terrible. Les bébés, personne à qui parler. J'aimerais bien que Whimsy arrête de faire des bloui, 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 et elle me casse les oreilles. Dis donc, tu me prends pour la castafiore ou quoi? Allez, bébé Whimsy, j'ai une bonne idée. Je vais te montrer comment faire la toupie. Yeah! Enfin quelque chose d'amusant. Facile pour toi. Oh, Gaïa, Whimsy fait sa tanante. Oh, tanante, hein? T'es pas poli? Yeah! Oh, de la bave de bébé! Oh. Oh. Une petite grimace et on met dans une cage pour bébé. Peut-être que c'est pas aussi amusant que je croyais, être un bébé. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir à manger ici? C'est moi le bébé! Et le bébé a faim! Ah! Ouch! Et bébé Whimsy m'a fait mal avec sa cuillère! Pas mal pour un bébé! Oh, désolée, Horace, mais elle ne l'a pas fait exprès! Ah, enfin! Quelque chose à faire sans qu'on me dispute! Bien, ma chouette! Tu vas échapper ta cuillère! Je l'ai pas échappé. Je l'ai lancé. Ouch. Yeah, en plein dans le mille. Hey, Rousseau, dis-lui d'arrêter de nous lancer sa cuillère. Oui, je vais essayer, Jonas. Tiens. Et maintenant, on ne lance plus la cuillère, ma puce. D'accord? Ouais, sûr, papa. Je suis un bébé. Les bébés ne se font pas disputer. Whimsy, ça suffit. Ça fait un peu peur quand on est un bébé de voir quelqu'un se fâcher. Tout le monde à table, pizza. Yeah, la pizza, ce que j'aime le plus. Yaya,
Est-ce que je peux en avoir un très gros morceau? Quand Whimsy m'a lancé sa cuillère, ça m'a donné très, très faim. Moi aussi, elle m'a frappé. Oh, pas de panique, il y a bien assez de pizza. C'est l'heure de manger, Whimsy. Tu vas quand même pas me faire manger? Je vais le faire toute seule. La pizza, c'est facile. Rousseau? Oui? Est-ce que je peux partager ma pizza avec bébé Whimsy? Ah, là, tu parles, Loulou! Mais non, Loulou. Elle est trop petite pour manger de la pizza. J'adore la pizza. Bien, ma chouette. Ta préférée. De la purée de pommes et de navets. De la purée de navets. Bon, maintenant, ouvre le tunnel. Le petit chouchou arrive. Chouchou. Tu vas pas me faire le coup du petit chouchou? Tiki tiki. Oh, Whimsy, il faut que tu manges un peu. Allez, ouvre la porte du hangar pour laisser entrer le petit avion de maman. Oh, regarde, Whimsy, un beau petit oiseau. Je vois du coin de l'œil quelque chose de rose. Le coussin. Mais non, patate, le coussin est rouge. Ce n'est pas le coussin. Le tablier de Yaya. Mais non, c'est pas vrai, c'est rose. Ce n'est pas le tablier de Yaya. Non. Oh, je sais. Hein? C'est le bonnet de bébé de Whimsy. C'est ça, Loulou. Bravo, Loulou. Bon, c'est à ton tour maintenant. Du coin de l'œil, une chose orangée. Je sais ce que c'est, je sais, c'est la chemise Horace. Est-ce que c'est ma chemise? Oh, c'est pas juste d'être fini tout de suite. Oh, yeah, je l'ai eu. Mais c'est moi qui l'avais trouvé en premier. Personne m'écoute parce que je suis un bébé. Je peux pas manger de pizza, je peux pas colorier, je peux même pas me lever. Oh, ce que c'est frustrant d'être un bébé. Oh, et si je restais un bébé pour la vie? Parfois, tu voudrais devenir quelqu'un de bien différent. Mais le mieux, tu le sais bien, c'est être toi simplement. Parfois, pour quelques moments, devenir une autre est un bon jeu. Mais au bout du compte, vraiment, c'est être moi que j'aime le mieux. Je pourrais être une princesse dans un château plein de richesses. Je pourrais fermer les yeux et être qui je veux. Je pourrais être une hirondelle et m'envoler au bout du ciel. Mais finalement, je préfère être moi. Je t'aime exactement comme tu es. Mais finalement, je préfère être moi. Mais c'est très bien de rêver quand même. Mais finalement, je préfère être moi. Enfin quelque chose d'amusant. Au moins il joue avec moi. On y danse tout en rond. Les messieurs font comme si. Oh, j'avais oublié ce bout-là. Stop. Non, arrêtez. Vous m'écrasez. Non, stop. Vous m'écrasez. Non. Wendy, réveille-toi. Tu fais un mauvais rêve. Où est ma couche? Quelle couche? Je portais une couche et un bonnet de bébé. Mais non, n'en portez pas. Vous alliez tous tomber sur moi. Oh, j'avais tellement peur. Et je pouvais pas faire la toupie. Je pouvais même pas marcher. Regardez! Regardez, je sais marcher! Vaut mieux que j'aille chercher ton père. Je pense que quand t'as fait la toupie, t'es tombé sur la tête ou quelque chose comme ça. Alors, tout le monde est debout. Yaya, tu ne me croiras jamais.
J'étais un bébé et je pouvais pas parler. Mais tu vois, j'étais capable de parler, mais personne ne me comprenait. Et je pouvais pas marcher. Oh, juste me traîner à quatre pattes. Et tu sais, Yaya, c'était tout un travail de se traîner à quatre pattes. Mais je pouvais lancer l'écuyère. Mais là, tu t'es fâchée contre moi. Je me suis fâchée contre toi? Oui. Parce que je lançais ma cuillère. J'ai eu peur, Yaya. Oh, je m'excuse, ma chouette. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Je sais pas. Moi, je pense bien que tu as fait un rêve souhait. Tu penses? Toi, Loulou, t'étais tellement gentille avec moi quand j'étais un bébé. Ah oui? Tu voulais même me donner de la pizza? Mais papa a dit non. Pauvre bébé, il manque beaucoup de choses. Est-ce que je peux le prendre, papa? S'il te plaît, je vais faire attention. Mais bien sûr que tu peux le prendre. C'est ton petit frère. Oui. À toi. Tiens. Ah, c'est bon. Fâche-toi pas contre lui. Quand on est un bébé, on a très peur des gens qui se fâchent. Wimsy est super gentil avec vous. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que notre Wimsy a fait un rêve à souhait. Un rêve bien spécial, on dirait. Yeah! Maman est arrivée! Maman, Beau s'est beaucoup ennuyé de toi. Ah oui? Oui, il me l'a dit. Un peu. Je m'en mêle à l'eau. Et tu comprends ce qu'il dit? Un peu. Je comprends les sentiments. Hein, Yaya? Maman, est-ce que t'as apporté quelque chose pour Beau? Ah, mais bien sûr! Oui. Est-ce que tu aimerais le lui donner? Oui. Tiens, regarde. Regarde, Beau! Un camion de pompiers comme papa! Et ça, c'est pour Wimsy! Waouh! C'est la plus belle veste que j'ai jamais vue. Et fais attention, Wimsy. Tu sais que Beau aime bien sucer tes vestes. Oui. Maintenant, je sais comment se sentent les bébés. Et c'est pas facile. Pas surprenant que tout le monde les aide. Je suis bien contente que tu aies découvert ça. Oui. Il faut tout apprendre quand on est bébé. Maintenant que je sais ça, je peux aider Beau à faire des choses, comme faire la toupie et colorier. Et peut-être même attacher ses lacets. Ouch! En tout cas, il a vraiment pas besoin d'aide pour lancer des choses, hein?